Bon bah voilà, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Snake Kimbo. Là on va parler de l'émulateur Sudashi. Voilà, je l'ai paramétré. Donc c'est la version main 0E54FCF. Je mettrai le lien en description. C'est la version qui est sortie le 7 avril 2024. Ça permet d'émuler le menu Switch dans Tool, Open Home Menu, comme sur Suyu. Mais cette fois-ci, on a accès à la version du logiciel 18, le firmware 18. Voilà, je vais faire un test. Princess Peach en lançant du menu Q-Launcher. Voilà, ça charge. On a accès au menu. On a accès au rôle central. Donc on peut aller dans le hall central. Je vais passer la vidéo. Je vais passer la deuxième vidéo. Et on a accès au premier niveau. Et là, on voit bel et bien que ça marche. J'ai passé en mode plein écran. Pour les personnes qui ont un processeur très très puissant, ça marchera directement. Et tout ça à partir du menu Q-Launcher. Voilà. Bon, je vais t'en faire le niveau entier. Bon, voilà, donc ça marche. Là, je retourne au menu.
J'avais pas paramétré ce bouton pour revenir au menu. Voilà, je repasse en plein écran. Regardez, là je fais continuer, exemple. Je vais faire ça vite fait, on s'en fout. Là, je fais pause et je retourne au menu. Voilà. Et là, je peux quitter le jeu. Voilà. Je joue à Berserk Boy, exemple. Voilà. Bon, ça c'est un petit jeu, pas tant. On va charger ce fichier-là, on s'en fout, on joue, vite fait. On voit que le menu Q-Launcher, il marche bien en tout cas. Dans la première vidéo, j'avais fait vite fait, j'avais pas paramétré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a un processeur qui est très puissant, bah ça marchera directement. Parce qu'en fait, sous Hachi, sous Hachi, là, on a un processeur très très puissant. Enfin, très puissant. On quitte. Bon, comme je vous disais, Sudashi, il a besoin d'une carte graphique, ça va, mais il a besoin d'un bon petit processeur. Enfin, moi, j'ai un bon processeur, mais dans la première vidéo, il a bugué. Bon, là, ça va, il bug plus. Bon, bah voilà, on voit bien qu'en tout cas, c'est bien la version 18. Voilà. Moi je reviens au menu. Là je vais le faire en même temps avec vous. Configurer. Système. Applets. Ah, on peut pas le faire quand. Alors je vais le faire en même temps avec vous. Faire pause, je vais faire stopper. Stopper l'émulation. Système applet. Contrôleur configuration, il faut mettre réel applet. Voilà. Mi-edit, ça c'est bon. Ça, non. Voilà. Maintenant, quand je lance le menu Home, Q-Launcher, quand je vais dans le contrôleur, voilà. Real Applet, c'est ça. Donc c'est la vraie interface. Comme Suyu, quoi. Sauf que ce qui est bien ici, c'est qu'il a réussi à prendre en charge la dernière version du système. Voilà. Et encore, c'est que la version main. On voit là. C'est que la version main. C'est une version de développement encore, en développement.
Ben voilà. Ben là, je vous ai fait un petit tuto complet. Enfin, c'était pas vraiment un tuto, mais c'était un petit essai complet. Et on voit bien que Princess Peach, ben, il a bien démarré avec le menu Q-Launcher. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Mettez un pouce si vous aimez la vidéo. Et abonnez-vous pour plus d'informations, des nouvelles informations. Snake Kimbo. Allez, ciao!